Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des connecteurs MC4. Alors, qu'est-ce qu'un connecteur MC4? Eh bien, ce sont des connecteurs qui se mettent sur les plaques solaires. Donc, en général, si vous achetez une plaque solaire, ça vient avec. Hein. Donc, vous avez toujours un plus et un négatif. Hein. Attention, c'est marqué dessus. Au cas où vous avez les étiquettes qui s'enlèvent, bah, vous en remettez d'autres. Hein. Voilà. Et donc, les connecteurs, c'est donc ceci. Hein. Comme on voit, les miens, ils ont eu meilleur jour. Voilà, d'un côté, il est cassé. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment on va les mettre de nouveau sur les câbles, hein, pour pouvoir les réparer. Voilà, donc celui-là c'est pareil, il est cassé. Alors comment les miens se sont cassés? Ben écoutez, c'est simple, on a eu une tempête assez impressionnante ici. Et en fait, les panneaux solaires, ils sont partis avec le vent. Voilà. J'ai eu de la chance, ils n'ont pas été cassés. Voilà. Mais donc ça a tout arraché, voilà. Et donc bon, maintenant il faut les changer. Hein. Alors, je vais vous montrer comment sont faits les connecteurs, hein, parce qu'il y a donc un mâle et un femelle. Et comment ça s'assemble, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, bah écoutez, on va revenir ici, on va démonter et on va les mettre en place, voilà, tout simplement. Alors ces connecteurs là aussi, hein, ça peut vous intéresser, parce que si jamais normalement les plaques solaires viennent toujours avec leur câble, mais si vous avez besoin de faire une extension, etc., et vous achetez le câble au mètre, et bien sûr ce sera bien de mettre ces connexions là de bout en bout. Ça peut vous servir aussi si vous avez des petites plaques solaires qui en général n'ont pas ce genre de connecteur là, donc là ça vous permettra d'en mettre, hein. Et puis si aussi bien sûr vous avez des plaques solaires anciennes qui n'ont pas ce genre de connecteur là et vous voulez mettre tout à jour, on va dire, hein. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous montrer maintenant comment fonctionnent ces connecteurs et ensuite on revient ici et on les monte. Alors voici donc nos connecteurs MC4, hein, donc on a le mâle et femelle ici, hein, donc mâle ici, femelle ici. Voilà, vous allez très certainement le recevoir comme ceci, avec ceci à part. Hein. Alors attention, parce que souvent les gens peuvent se tromper, on a tendance à penser que comme celui-là rentre à l'intérieur de celui-ci, celui-ci est le mâle et celui-ci est femelle. En fait non, c'est l'inverse. Hein. Alors je vous le dis parce que une fois que c'est monté à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, on a des petits crans ici. Hein. Et donc une fois que c'est rentré à l'intérieur, on ne pourra plus le sortir. Donc surtout ne vous trompez pas. En fait, si vous regardez ici, hein, les deux l'un à côté de l'autre, voilà, en fait, le mâle, c'est le plus grand, plus gros et plus long. Hein, voilà. Donc en fait, ne regardez pas à celui qui va à l'intérieur. Hein, voilà, c'est assez trompeur. Voilà. Donc là, je les ai démontés pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Hein. Donc là, bien sûr, on a le chapeau. Ce qui va à l'intérieur, c'est donc ceci. Hein. Ensuite, on met le joint qui rentre à l'intérieur. Une fois que c'est dedans, normalement, ça ne tombe plus. Voilà. Hein. Alors, moi, ce que je fais habituellement, je mets ceci dans le câble. Et une fois qu'il est mis, ensuite, je sertis ça. Et pour terminer, ben voilà, je le mets dedans, on serre et terminé. Hein. Voilà. Mais bon, je voulais vous montrer donc comment ça fonctionne. Voilà. Alors, bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, on va retourner sur nos plaques, on va tout démonter et on remonte celle-ci et c'est terminé. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, il faut des outils spéciaux pour pouvoir sertir. Non, en fait, non, vous n'avez pas besoin de ça. On va utiliser tout simplement un couteau, hein, voilà, pour enlever la gaine, une pince coupante. Hein, et une pince où on va pouvoir apprêter. Voilà, ni plus ni moins. Hein. Maintenant, si vous avez les outils spéciaux pour dégainer, etc., et sertir, ben écoutez, très bien. Mais si vous ne l'avez pas, ça n'est pas un problème. Avec ça, on va se débrouiller. Bon, et bien alors, voilà, donc commençons. Hein. Donc, quand je regarde ce câble-là, en fait, celui-là, bon, ben, bien sûr, il faut que je change la connexion. Hein, et quand je regarde celui-là, en fait, celui-là, il est bien. Donc, celui-là, je vais pas y toucher. Hein. De toute façon, que vous changez celui-là ou l'autre, c'est la même chose. Hein, c'est la même façon de le faire. Alors, par contre, celui-là, quand je regarde, je vois que le câble, ici, il est un peu endommagé. Donc, je vais le couper. Hein. Donc je vais prendre ma pince coupante, voilà, et on le coupe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dénuder le câble à environ 1 cm. Hein, ça n'a pas besoin d'être super précis. Voilà, plus ou moins.
et on l'enlève. Oh, bah il coupe celui-là. J'avais peur qu'il coupe pas trop, mais en fait, il coupe de trop. Comment se couper le doigt en 30 secondes, ou moins. Du coup, maintenant, j'ai peur de l'utiliser. Voilà, on y arrive. La peur du couteau. Oui, voilà. Bon, très bien. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, je vais donc mettre mon... Alors ça, bien sûr, c'est le mâle qui va ici. Hein. Voilà, donc c'est le positif. Donc, on met... Le capuchon d'abord, voilà, on le met à l'intérieur et ensuite on va mettre le positif. Alors c'est là qu'on se ne trompe pas, hein, voilà, donc c'est le grand, voilà, hein, donc je vous le montre encore une fois, hein, donc le petit au revoir et on met le grand à la place. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va le sortir. Alors, ça se met dedans, voilà, hein, et ensuite, on aplatit ça. Alors, j'essaie de vous le montrer. J'essaie de le tenir à la caméra en même temps. Des fois, c'est pas trop pratique, hein, mais comme vous voyez, ça se fait assez facilement. Hein. Voilà. Ensuite, on l'appuie encore de nouveau sur les côtés pour le serrer un peu plus. Voilà, et de nouveau par-dessus. Voilà. Voilà, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à mettre voilà, l'autre partie. Alors, je le cherche, il est où? Il est là, très bien. Voilà, donc ça maintenant, on le met à l'intérieur, hein, et on le met à fond. Alors des fois, si ça rentre pas bien, c'est pas grave, parce que de toute façon, de le serrer, ça va le faire. Voilà, clac, je l'ai entendu. Ça s'est mis bien à l'intérieur. Voilà, hein. Donc, voilà, donc maintenant, il est mis, hein, il y a plus de problème là-dessus. Désolé pour le son. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de le connecter à l'autre. Et voilà. Et voilà, terminé, hein. Voilà, donc que vous fassiez celui-là ou celui-là, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, vous le coupez et vous faites exactement la même démarche. Voilà, bon, bah écoutez, moi, il me reste maintenant à finir les autres et continuer avec ça. Voilà, maintenant que vous savez comment le faire, et bien, écoutez, on se verra dans de prochaines vidéos sur, justement, les systèmes solaires, comment les connecter, etc. Allez, à plus!